Bonjour, je suis Thierry Dubois, journaliste spécialisé en aéronautique et industrie spatiale, notamment pour le magazine Aviation Week. Et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre sur le thème « L'industrie aéronautique et de défense en Europe face à la Covid-19 », à l'épreuve de la Covid-19. J'accueille donc Éric Trappier, président du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, et PDG de Dassault Aviation. Et Dirk Hocke, à mes côtés, président du BDLI, l'homologue allemand du GIFAS, et qui est aussi directeur général délégué d'Airbus Defence and Space. Nous sommes depuis 9 mois dans cette crise liée à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, dans quel état l'industrie aéronautique et de défense européenne se trouve-t-elle ? Éric Trappier. Bien, mais écoutez, bonjour. D'abord, je voudrais saluer Dirk, qui est avec nous ce matin, et toutes les entreprises allemandes du BDLI, puisque moi, je représente principalement les entreprises françaises du GIFAS. Et nous entretenons avec Dirk, aussi bien au niveau du BDLI qu'entre Airbus et Dassault Aviation, une excellente relation pour justement préparer le futur, un futur d'une Europe souveraine, bien sûr, mais aussi une Europe plus verte, et on aura l'occasion d'en parler dans cette table ronde. Alors, premièrement, évidemment, vous l'avez rappelé, et les introductions du ministre l'a rappelé aussi, le Covid-19 est une crise qui touche très fortement le trafic aérien, et donc le trafic aérien qui a extrêmement baissé depuis plus d'un an maintenant, avec ces vagues de Covid. On est à moins de 50% du trafic aérien, ce qui touche bien sûr l'industrie aéronautique, qui a été obligée de réduire ses livraisons compte tenu de la difficulté que les compagnies aériennes ont à payer les avions qu'elles avaient commandés et le trafic qui constitue une grave difficulté. Face à ça, le GIFAS et les sociétés aéronautiques se sont organisées. Premièrement, elles ont bâti avec l'État un plan, avec des mesures immédiates qui ont été le chômage partiel. Il faut rappeler que le chômage partiel, qu'il soit le chômage partiel de la première vague ou le chômage partiel longue durée qui est en train de s'instaurer en ce moment, permet de conserver un certain nombre de compétences dans les entreprises pour que quand le redémarrage se fera, on puisse repartir. Et nous espérons bien, et grâce aux dernières nouvelles sur les vaccins qui commencent à se présenter, même si ça prendra plus de temps que ce qu'on l'espère, va nous donner pour l'année 2021 et surtout pour l'année 2022 grands espoirs de reprise. Alors cette reprise se fera très certainement pas tout à fait à la vitesse à laquelle on voudrait, et donc ça prendra un petit peu de temps pour revenir à des niveaux tels qu'on a pu les connaître dans les années passées. Je rappelle que pour nous, l'industrie aéronautique, la grande difficulté, c'est de sauver notre supply chain. Il n'est pas simplement question de voir ce que les avionneurs peuvent faire, Airbus et Dassault par exemple, mais surtout sauver toute la supply chain avec les équipementiers, avec les PME qui sont installés un petit peu partout dans le territoire. Et là aussi, des fonds ont été bâtis. Alors un fonds de soutien qui a été bâti avec les grands industriels et l'État pour arriver à remplir les besoins en fonds propres de ces sociétés, leur permettre de traverser la crise au-delà des prêts garantis par l'État, ce qui, on l'espère, malgré cette deuxième vague, permettra à ces sociétés de résister. On a quand même conserver le moral, et puisque nous avons l'œil sur l'horizon, et l'œil sur l'horizon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi de préparer le futur, et vous savez, la problématique environnementale, que ça soit le Green Deal européen ou les demandes françaises, et bien sûr, n'oublions pas les demandes mondiales, car la problématique de l'environnement ne peut se comprendre que dans un environnement mondial, si on veut améliorer et faire baisser l'empreinte carbone dans le monde. Et donc les sociétés françaises et européennes ont été très mobilisées pour bâtir un plan qui sera soutenu en France dans le cadre du CORAC, dans laquelle l'État, le ministre des Transports en particulier et la DGAC vont mettre de l'argent pour préparer les technologies qui permettront dans le futur une aviation décarbonée et connectée. Et ça, je crois que c'est un point fondamental. Le deuxième volet, on y reviendra bien sûr, c'est la défense. La défense
permet d'équilibrer aussi. La défense est beaucoup moins touchée au niveau de la crise. On a en France en particulier une loi de programmation militaire qui se déroule et la ministre s'est fait un point d'honneur à la faire respecter. Dans le cadre de cette loi de programmation militaire, nous avons des programmes qui permettent à beaucoup de sociétés du domaine, très touchées dans l'aéronautique, d'équilibrer et de permettre une certaine activité. L'ambition de cette loi de programmation militaire, outre les programmes qui sont du domaine de l'État et de la France, c'est la préparation là aussi du grand futur. Et dans la préparation du grand futur dans le domaine de l'aéronautique, c'est le projet SCAF-NGF qui va structurer, je dirais, les décennies à venir pour faire un avion entre déjà trois pays qui sont l'Allemagne, l'Espagne et la France, et qui va structurer là aussi une coopération forte, indépendamment des premiers efforts qui sont faits au niveau européen par le Fonds européen de défense, qui contribuera à un certain nombre de projets, aussi bien en recherche amont que dans des programmes. Et je pense que Dirk en parlera, l'Eurodrone aussi, qui est une perspective qui permet aussi à notre industrie et à l'Europe d'avancer, de progresser dans le développement d'une certaine souveraineté et autonomie dans le domaine de l'industrie de défense. Voilà les programmes. Et je voudrais rappeler que tout au long de la crise, la coopération, les échanges entre le BDLI allemand et le GIFAS français ont été permanents pour permettre d'harmoniser, d'échanger dans cette période de crise, car la communication en pleine première vague et même aujourd'hui encore dans cette deuxième vague permet de réfléchir en commun. Et le ministre en parlait tout à l'heure, il parlait des pays Airbus dans le cadre du domaine civil qui permet de mobiliser une partie de l'Europe. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de réunions avec Thierry Breton au niveau de la Commission européenne pour évidemment soutenir le plan de relance européen qui sera fondamental pour aider l'ensemble des pays à passer le cap de cette crise. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci pour ce tableau très complet. Sur l'état de l'industrie allemande, dire quoi que ? Oui, c'est plutôt comme Eric déjà expliqué, on a dans la même crise, on a exactement les mêmes soutiens aussi du gouvernement. On a, comme ici en France, le CORAC, on a en Allemagne le LUFO, et on a des supports aussi de DLR. On a un fonds de stabilisation économique qui est bien soutenu. Et on a eu surtout faire le focus sur le supply chain, parce qu'on a vu quand même pour les petites entreprises, oui, c'était assez compliqué d'assurer le financement. Il y avait beaucoup de restrictions des banques de faire le refinancement des petites sociétés. Et là, on a reçu un support incroyable du gouvernement pour assurer que le supply chain reste stable. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a beaucoup d'entreprises qui sont petites, mais qui sont très importantes pour le supply chain aerospace, pour nos sociétés. Et là, on a bien avancé. Est-ce que c'est déjà bien, ou est-ce qu'on est stable? Non, il y a un soutien qui est encore nécessaire pour les années qui viennent. Comme Eric a dit, le chômage partiel longtemps, ça va jusqu'à fin 2021, ça c'est bien, mais on voit aussi que jusqu'à maintenant, le nombre de passagers est encore moins 60% comparé avec l'année prochaine, dernière, et on voit que ça va nous donner encore des défis pour les mois qui viennent. Pour entrer dans les programmes, comme Eric déjà dit, on a un soutenu exceptionnel, surtout ici en France et en Allemagne, pour les grands programmes. On a bien progressé avec le SCAF, mais aussi avec le Eurodrone, où on a le support vraiment des quatre pays, et on croit dans les mois qui viennent, on peut finaliser le contrat pour avancer avec le Eurodrone aussi. Et ça c'est exactement le soutien qu'on reçoit à côté des fonds de stabilisation économique. Ce sont aussi d'accélération de projets, d'accélération aussi de projets militaires, et aussi même dans les discussions pour les conditions de paiement, on a reçu beaucoup de soutenu pour toutes les industries aérospatiales en Allemagne. Il ne faut pas oublier, en Allemagne aussi, le BDLI représente
plus que 115 000 postes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important aussi pour l'industrie et pour les, surtout aussi pour la stabilité de l'Allemagne. Merci. Je reviens au thème de départ, l'impact de la pandémie sur l'industrie. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer les pertes d'emplois en Allemagne? Comme j'ai dit, c'est très difficile parce qu'on est encore dans la période de chômage partiel longtemps. Et pour ça, on a vu beaucoup des annoncements des grandes sociétés, aussi des petites sociétés qui ont déjà déclaré qu'ils vont faire des mesures adéquates dans les mois qui viennent. Nous, on a fait aussi des enquêtes avec les membres de BDI et on a reçu la réponse que 90% de nos entreprises pensent qu'il faut introduire des conséquences très très sérieuses, même après le chômage partiel. Première indication. Éric Trappier, en France, est-ce qu'on peut déjà chiffrer les pertes? Oui, alors écoutez, c'est très difficile puisqu'on est dans une phase encore malheureusement active du Covid et je suis d'accord avec ce que dit Dirk, que la difficulté de sortie, comme je le disais en introduction, ça va pas être d'un seul coup, on revient au niveau d'il y a un an. Donc nous, l'industrie aéronautique française, c'est à peu près 300 000 personnes, 200 000 directement au titre du GIFAS, mais 100 000 aussi dans des sociétés qui sont pas forcément affiliées au GIFAS et qu'on intègre. On a une baisse de charge d'à peu près de 30% minimum, donc ça touche à peu près 90 000 personnes. Et dans ces 90 000 personnes, on pense que on peut, avec le chômage partiel, en sauver une partie, mais pas tout. Donc, en réalité, même si on évite les licenciements et les PSE, malgré tout, il y a quand même quelques sociétés qui sont obligées de recourir au PSE. On voit qu'on a une perte potentielle de 30-40 000 emplois dans la profession en France dans les deux ans qui viennent. Merci beaucoup. Dans vos introductions, vous avez évoqué les mesures prises par vos organisations respectives, le GIFAS et le BDLI. Est-ce qu'on peut un petit peu entrer dans les détails sur les mesures de soutien, d'accompagnement du GIFAS et du BDLI, Dirk Hocke? Non, on est en communication continuelle avec les gouvernements pour assurer, et surtout aussi avec les GIFAS pour aligner les mesures. Il faut aussi, je crois quand même, notre industrie a une cas spécial parce que nous on n'a pas eu un problème structurel avant la crise. Et ça c'est très très important pour toutes les mesures qu'on discute avec les gouvernements parce qu'on voit quand même que même si la crise pour notre industrie est grave, on voit que ça va se stabiliser dans les années qui viennent. On croit que pour stabiliser, ça va être plutôt 2023-2025 pour être sur le même niveau de quantité de passagers comme 2019, mais on voit que ça va se stabiliser. Et pour ça, on voit aussi la structuration des contributions des États, comme le fonds de stabilisation de l'économie qui a quand même une quantité de 600 milliards d'euros. On voit de l'UFO où on a déjà protégé pour cette année et l'année qui vient au moins 500 postes en Allemagne, où on a reçu des soutiens pour accélérer des projets de développement, de recherche, pour vraiment soutenir aussi l'industrie. Éric Trappier, sur les mesures d'aide aux entreprises. Oui, alors les mesures qui ont été annoncées lors du plan aéronautique par Bruno Le Maire en juin dernier sont des mesures très concrètes. D'abord, elles se basent sur une cartographie que le GIFAS a faite sur l'ensemble de la supply chain pour être capable d'identifier ceux qui auraient des besoins et rapidement. Et ça a donné lieu à la création du fonds que nous avons choisi et dans lequel les sociétés ont mis de l'argent. Le fonds lui-même qu'on a sélectionné a lui-même mis de l'argent. La BPI a abondé au nom de l'État et nous cherchons à faire un fonds qui soit capable de mobiliser entre 700 millions et 1 milliard d'euros, principalement donc avec deux thèmes, soit un thème de consolidation entre certaines sociétés, parce qu'en fait, on pense qu'en France, les sociétés sont encore très petites
Et peut-être que le modèle allemand est plus résistant du fait de ces sociétés à taille un petit peu plus intermédiaire. Donc on le favorisera évidemment, on ne l'obligera pas, car ce sont des sociétés familiales et c'est à ces dirigeants de sociétés propriétaires pour la plupart de décider, mais on le soutiendra. Et deuxièmement, des petites sociétés très technologiques dans lesquelles nous pensons que la capitalisation par ces fonds qu'on a mobilisés permettent d'éviter qu'elles passent dans des mains étrangères pas forcément favorables. Donc ce fonds est fondamental. Deuxièmement, l'État a aussi mis en place un fonds de modernisation, car en réalité, notre ambition est double. Non seulement c'est de survivre et de faire survivre notre supply chain, mais c'est aussi de sortir de la crise, je dirais, encore plus fort. Donc c'est une ambition très grande. Plus fort veut dire prête à la compétitivité, car ne nous faisons pas d'illusions. Les Américains qui subissent la même crise et qui, je dirais, eux, ont même eu le problème du Boeing 737 en ce qui concerne Boeing, vont rebondir. Les États-Unis sont un pays où la résilience et le rebond est très rapide. Ils ont de la technologie, ils ont une mobilisation de leur État, qui est un État puissant. Et donc, il faut se préparer aussi à cette sortie de crise dans laquelle la compétition va à nouveau revenir. Et il faut donc sortir un peu plus fort dans cette modernisation. Le thème qui est développé par les grandes entreprises et dans lesquelles nous allons vers les petites entreprises, en tout cas c'est le cas au niveau du GIFA, c'est la numérisation de nos sociétés, c'est le numérique. Le numérique est un levier absolument indispensable pour l'ensemble de la profession et nous profitons de cette période pour d'abord aider les plus petits d'entre nous. Il y avait déjà un programme du GIFAS qui existait avec de l'argent qui a été mis par le GIFAS dans le domaine et l'État a lui-même mobilisé des fonds dans lesquels les PME peuvent directement venir demander un soutien, soit pour justement aider au numérique, soit aider à la transition environnementale et réduire l'empreinte carbone de leur société. Donc ça, c'est fondamental. Le CORAC, comme vous le savez, c'est 1,5 milliard d'euros qui sera mobilisé par l'État sur 3 ans, de 2020 à 2022. Donc ça démarre cette année et ça va se poursuivre en 2021-2022. Donc c'est un effort absolument gigantesque, avec une ambition non moins gigantesque qui est d'arriver à faire voler des démonstrateurs avec des nouvelles technologies qui préfigureraient de programmes d'avions. Que ce soit pour les avions commerciaux, les business jets ou les avions de transport régionaux. Donc ça, c'était une ambition grande. Cette ambition, d'ailleurs, devra être abondée par l'Europe. Hein, bien sûr, les programmes Clean Aviation ou César, qui permettra à un trafic aérien d'être encore mieux organisé et un ciel unique qui optimisera encore un peu mieux les trajectoires et donc contribuera à cette réduction du carbone. Tout ça contribue fortement et est un plan très ambitieux pour l'aéronautique, ambitieux mais faisable. Donc l'ambition est haute, mais la faisabilité va être acquise par le développement de la technologie. En réalité, ce qu'on dit, c'est que la sortie de crise va se jouer par l'innovation. C'est exactement ce qu'on discute, comment on peut accélérer la décarbonisation, parce que c'est quand même, pendant cette crise, avec tous les défis, on a quand même une opportunité pour accélérer la décarbonisation, pour remplacer les anciens avions par des nouveaux avions avec des propositions modernes. Alors je voudrais vous faire rebondir, Dirk Hocke, sur un point évoqué par Éric Trappier, qui est le risque de prise de contrôle par des entreprises non européennes de pépites, d'entreprises importantes pour l'industrie aéronautique européenne. Un de vos homologues, M. Schoenemann, le patron de Liebherr Aerospace, s'est exprimé il y a un jour ou deux sur ce sujet. Il disait qu'il avait vu ce danger vraiment en Allemagne. Est-ce que vous l'avez vu, ce risque de prise de contrôle par des entreprises hors Europe ? C'est un défi qu'on a depuis des années, c'est pas nouveau. Avec la crise, ça s'est accéléré, mais il faut bien sûr faire attention parce que si les sociétés moyennes sont faibles, il y a quand même, c'est très attractif, surtout pour des investisseurs asiatiques qui ont déjà pris contrôle de beaucoup des sociétés aussi allemandes et européennes.
européenne dans les années dernières. Et pour ça, il faut vraiment aussi des protections. Et là, il faut aussi de la collaboration entre nos sociétés pour regarder le marché, pour assurer qu'on supporte la supply chain. Et pour ça aussi, toutes les actions qu'on a définies avec les gouvernements, c'est surtout pour protéger aussi la liquidité des sociétés moyennes, pour assurer qu'on reste stable dans toute l'industrie et qu'on peut protéger aussi les capacités qu'on a en Europe, surtout aussi en France, en Allemagne. Et là, je crois qu'il faut encore faire plus. Je vois qu'en France, les décisions sont prises beaucoup plus fort qu'en Allemagne. Et là, on a besoin de aussi décliner les lois nécessaires pour protéger vraiment des sociétés clés. Et un autre point évoqué par Éric Trappier était la différence structurelle de taille moyenne entre les fournisseurs français et les fournisseurs allemands, qui sont un petit peu plus gros. En France, on parle plutôt de PME, petites et moyennes entreprises. Côté allemand, on parle plutôt d'entreprises de taille intermédiaire, plus solides peut-être. Est-ce que vous les voyez comme ça? Les PME sont le backbone de notre société, et c'est aussi en Allemagne, comme Anne Schönemann a expliqué. Ce sont les sociétés qu'on a besoin, où on a très très souvent aussi single source, on n'a pas vraiment des grands alternatives. C'est-à-dire qu'il y a une seule entreprise qui fournit le donneur d'ordre. Exactement. Et donc elles sont d'autant plus critiques. Et ça c'est très, très critique pour notre supply chain, sinon on va avoir vraiment des grands problèmes pour les années qui viennent. Pour ça, il faut vraiment protéger les PME, il faut soutenir. Et ça, c'était, comme j'ai dit au début, c'était vraiment un problème au début parce qu'il y avait pas mal des banques qui ont réévalué les risques et avant, il n'y avait aucun problème d'avoir accès au crédit, mais après, même pour 10-20% de la somme, parce que le reste était sécurisé par KfW, ils ont eu vraiment des difficultés d'assurer le financement. Et ça pose un grand problème, parce que ça peut accélérer d'autres investissements et d'autres décisions. Quelle raison invoquer les banques? C'était le risque de reprise trop tardive? Parce que si on a regardé un peu, il y avait beaucoup de statistiques qui ont montré l'impact de Covid-19 sur les industries différentes. Et on a vu quand même que l'industrie aérospatiale avec l'industrie de tourisme était le plus à gauche, avec l'impact le plus grave. Et pour ça, bien sûr, l'évaluation des risques pour les crédits a changé dans les derniers 10 mois. Alors parlons des banques côté français, Éric Trappier. On voit une certaine frilosité des banques à financer les entreprises, pas à cause du risque lié à la pandémie, mais simplement parce qu'elles sont dans le secteur de la défense et que les politiques RSE, responsabilité sociale et environnementale des banques, les rend frileuses, réticentes à financer ce secteur. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un risque d'affaiblissement pour les entreprises françaises du secteur de la défense? Non, mais je crois que le sujet est beaucoup plus global. En réalité, les banques elles-mêmes ont des actionnaires et les politiques RSE, principalement, s'adressent aux actionnaires qui ont des critères. Moi, je pense que la question fondamentale qu'il faut se poser en Europe, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, et c'est vrai sûrement dans beaucoup d'autres pays, c'est comment souhaitons-nous avoir un modèle de nos sociétés, civiles, qui organisent aussi le sujet de leur défense commune, donc de la construction d'une Europe de la défense, bien sûr, mais aussi, avant que cette Europe de la défense n'existe complètement, la capacité à défendre leur propre pays en alliance avec d'autres pays. On le souhaite plutôt des pays européens, mais on sait que l'alliance avec les Américains est aussi un sujet important. Donc, pour ce faire, il faut là aussi investir dans la technologie, investir dans l'industrie de défense. Et cette industrie de défense est souvent aussi une industrie qui se développe dans le civil. Nous avons, Dirk et moi, nous appartenons à deux sociétés qui sont impliquées dans le développement du civil et qui ont donc des grandes ambitions pour la préparation de la transition environnementale. Et là aussi, on voit fleurir de l'aircraft bashing totalement absurde et intégriste, alors même que la profession fait beaucoup d'efforts déjà depuis de nombreuses années et va en faire encore plus. De la même manière, dans le domaine de la défense, il ne faut pas être naïf,
voyez ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Il faut bien évidemment aussi construire dans les règles de nos démocraties, dans les règles de qui sont institutionnalisées par nos gouvernements et nos parlements, être capable de développer cet effort de défense, et l'industrie contribuera à cet effort de défense. Alors les banques, qui ont elles-mêmes des actionnaires, ont un rôle à jouer, que ce soit des banques françaises ou très certainement des banques européennes, des banques allemandes, elles doivent soutenir ces industries qui portent depuis de nombreuses années et de nombreuses décennies l'innovation, l'emploi, et pas simplement l'emploi en France, en région parisienne, comme l'a dit Valérie Pécresse, mais l'emploi en territoire, en région, et qui permet à notre défense de s'intégrer dans une volonté de souveraineté portée par le gouvernement. Donc je pense qu'il faut totalement recaler le modèle et ne pas laisser quelques activistes prendre la main. D'ailleurs, on pourrait se poser de la question, pour qui travaille-t-il en réalité? Donc ça, c'est une question fondamentale, pas d'intégrisme, de la mesure, de l'équilibre, que ce soit pour la protection de l'environnement de demain, où bien évidemment il faut faire l'avion décarboné, mais il ne faut pas jeter la pierre à l'aviation, surtout dans le moment, et puis pareil pour l'industrie de défense. Donc vous voyez, je préférerais prendre cette question-là par le haut. Dernier point sur le point précédent, c'est que oui, bien sûr, il faut protéger nos PME de prise de contrôle inappropriée. À l'inverse, il faut quand même aussi voir qu'en Europe, la mobilisation de capitaux pour soutenir le tissu industriel européen n'est pas toujours là. Et donc, on a besoin, et beaucoup font recours à des actionnaires qui ne sont pas forcément européens. Et on sait la puissance des capitaux américains, des fonds de pension américains par exemple, à venir dans nos sociétés. Et honnêtement, si on devait les remplacer du jour au lendemain, c'est pas possible, à part entre guillemets la nationalisation, mais qui n'est pas crédible, qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas voulue. Donc en réalité, il faut aussi équilibrer entre souveraineté du capital, souveraineté d'un certain nombre de sociétés stratégiques et liberté des actionnaires de venir investir dans notre pays et venir investir par exemple en France, ce que l'on souhaite aussi. Merci. Dirko, que voulez-vous réagir, notamment peut-être pour commencer sur l'aircraft bashing, ce dénigrement systématique de l'aviation? Non, peut-être je peux juste ajouter, parce que exactement comme Eric dit, on voit en Chine, par exemple, il y avait une décision, ça fait quelques mois, d'investir 1,4 billion de dollars dans l'innovation, dans tous les domaines de l'intelligence artificielle, de surveillance. Et on voit, bien sûr, avec des moyennes comme ça, on voit déjà, surtout dans tout ce qui est digital, on voit qu'en Europe, on a vraiment des problèmes de rester sur le même niveau que les États-Unis et la Chine. Et là, il faut vraiment qu'on réagisse ici en Europe avec des innovations, avec des investissements. Et sinon, on va voir que avant la crise, on était assez stable. Mais si on ne fait pas des efforts plus forts, on va sortir de la crise avec une position qui est moins bien qu'avant la crise. Pour ça, je suis tout à fait de la même opinion qu'Eric. Il faut soutenir pas seulement les PME, mais il faut investir dans les innovations pour garder notre position dans la compétition globale. Et est-ce que vous voyez aussi, côté allemand, une frilosité des banques, des problèmes de financement pour les entreprises, indépendamment de la pandémie, par le simple fait que les entreprises sont dans des secteurs qui sont visés par des activistes, comme le disait Eric Trappier? On voit la même discussion, peut-être pas si grave, mais comme Eric dit, on va avoir toujours des activistes comme ça, mais il faut aussi être réaliste, parce que sinon ça va être très difficile pour avoir une industrie que les pays européens ont besoin. Et on voit aussi que pendant cette crise, les sociétés qui sont intégrées dans la défense et dans le monde civil sont beaucoup plus résilientes
que les sociétés qui travaillent que dans le monde civil, c'était aussi un facteur pour aider l'industrie aérospatiale dans ce moment et aussi dans l'avenir. Il faut quand même, comme Eric a dit, on a des crises partout. Et si on regarde un peu le développement dans les derniers 5 ans, on ne peut pas dire que le monde est maintenant plus facile qu'avant. Et ça va continuer. Et il faut quand même qu'on garde des moyens de souveraineté, on garde un niveau de souveraineté qui nous aussi réassure qu'on peut protéger notre valeur et aussi, bien sûr, ce qu'on a développé tout ensemble en Europe. Je voudrais qu'on revienne vraiment au cœur de l'industrie, c'est-à-dire les compétences des hommes et des femmes dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises. Comment, notamment pour les petites, celles qui sont les plus durement touchées, qui sont peut-être le plus fragilisées, comment maintenir les compétences chez eux à travers la crise ? Ben, écoutez, on s'est engagé au travers un certain nombre d'actions, c'est vrai avec le CORAC, c'est vrai dans le domaine de l'engagement vis-à-vis de nos petites entreprises, dans des chartes que nous avons signées, à faire, j'utilise le mot, ruisseler les budgets qu'on peut recevoir de l'État pour des programmes, que ce soit des grands programmes de développement, de R&T, vers nos petites entreprises pour qu'elles puissent en bénéficier. Alors, culturellement, je peux vous dire que Dassault Aviation, nous savons que l'innovation, c'est pas simplement les grands groupes. Mais les grands groupes ont les grands programmes, mais une partie de l'innovation se situe aussi dans les PME. Et donc, il faut que nos PME préservent cette capacité à innover, à nous proposer, nous les grands groupes, des avancées dans la technologie grâce non seulement aux aides qu'on peut avoir gouvernementales, mais aussi grâce aux nouveaux programmes futuristes qui vont permettre aux meilleures d'entre elles de se positionner pour obtenir des contrats de la part des grands groupes et poursuivre. Par exemple, si vous prenez l'intelligence artificielle, nous sommes même en train de travailler tous au niveau des start-up qui permettent, je dirais, de préjuger de ce que va être ce nouvel écosystème de l'intelligence artificielle et qui va venir abonder le monde du numérique par cette capacité à traiter énormément de données et donc la nécessité d'avoir des nouveaux algorithmes qui vont nous permettre d'ouvrir vers des nouvelles fonctionnalités grâce à ces nouveaux logiciels. Donc l'innovation des petits reste quelque chose de fondamental et nous pouvons les aider au travers le ruissellement des aides que l'on a dans les grands programmes et les programmes eux-mêmes qui iront vers ceux qui sont le plus innovants et dont on a besoin, nous, pour faire des programmes d'avions, principalement, qu'ils soient de militaires ou civils, qu'ils soient compétitifs, mais qu'ils soient aussi très innovants pour être opérationnellement les meilleurs pour les décennies à venir. Pierre Coqueux, sur le maintien des compétences. Non, je suis tout à fait d'accord que aujourd'hui on a déjà une industrie qui dans la historique toujours a travaillé entre les petits et les moyennes et les grands. Et comme notre industrie aussi, tous les projets qu'on fait des R&D ou des développements, on a toujours une participation de à peu près 60% des petites entreprises, même si c'est pas toujours visible, mais ça c'est quelque chose quelquefois aussi oublié. Si on fait un projet, un programme, toujours une participation de PME de à peu près 60%. Ça veut dire que ça aide aussi pour accélérer les innovations. Il y a bien sûr les collaborations avec les start-up, parce que nous, on a besoin aussi des collaborations, des nouvelles idées. Et pour ça, on agit toujours aussi avec les autres PME et avec les start-up pour accélérer aussi les idées et les innovations. Parce que quelquefois, c'est plutôt compliqué dans une grande entreprise comme la nôtre, d'avoir l'agilité et la vitesse. Et pour ça, on travaille beaucoup avec les petits. Et maintenant, mais comme j'ai dit avant, on a besoin aussi d'avoir plus de support. Il y a déjà le CORAC, le LUFO. Ça, c'est quelque chose de bien, mais il faut faire encore plus. Parce que, comme j'ai expliqué, les exemples des Chine ou des États-Unis, il faut assurer qu'on n'est pas dans une situation après le COVID-19 crise qui est pire qu'avant.
Et ça, c'est quelque chose où on a bientôt la nécessité, pas seulement de faire le support dans les plafonds de stabilisation économique, mais surtout aussi pour investir vraiment dans des sujets clés d'innovation. Est-ce qu'on peut faire un point sur les grands programmes de coopération franco-allemand? Le SCAF, le système de combat aérien futur, et l'Eurodrone. Et pour chacun de ces programmes, je vous demanderai de bien vouloir rappeler de quoi il s'agit, en quelques mots. Dirk Hocke, vous voulez garder le micro? Moi, je commence avec Eurodrone et après, Eric, tu continues avec SCAF peut-être? Ouais. Eurodrone, ça c'était la décision entre quatre pays, l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, de développer un drone européen qui peut accomplir les missions nécessaires. Aujourd'hui, on dépend fortement des produits soit américains, soit israéliens, et on n'a pas des produits européens. Et là, c'était une décision aussi de souveraineté pour développer un drone européen. Et ça, on a fait par deux études et on est en train de négocier l'offre industrielle depuis quelques mois. Et on est maintenant dans un état où on peut dire on est très proche du contrat. On a le soutien des quatre nations et des quatre ministres pour accélérer maintenant les négociations pour terminer avec un contrat dans les mois qui viennent. Ça, c'est aussi important parce que il faut garder ses compétences en Europe, parce que sinon, c'est la dernière fois qu'on peut réussir à garder des compétences. Et en plus, ces compétences sont aussi très importantes pour les SCAF, parce que les SCAF est vraiment un projet de système de SIM autour de Next Generation Fighter, les NGF. Mais là, on a vraiment besoin de projets de recherche incroyable, grand, et là, pour le SCAF, on a bien avancé. Si on regarde un peu qu'on travaille seulement 3 ans dans le sujet, c'était annoncé avec la déclaration entre le président Macron et chancelier Merkel le 13 juillet 2017. Et après, Eric et moi, on était dès le début de là. On a commencé des discussions entre nos sociétés déjà en 2017 et on a avancé depuis 2018 pendant l'IDA. Mais je te laisse un peu le stage pour expliquer SCAF. Donc sur le SCAF, et je précise juste un sigle que vous avez employé, NGF, c'est le cœur du SCAF, c'est le chasseur de futures générations. C'est l'avion de combat, oui. Chasseur de nouvelle génération. Je reprends d'abord, bien sûr, l'Eurodrone est quelque chose d'important. Vous savez que nous le souhaitons, Airbus et nous, depuis de longues années. Et je pense qu'on n'est pas très loin d'arriver maintenant au lancement, et ça fera un programme, je dirais, dimensionnant pour démontrer que la coopération européenne est au rendez-vous des besoins opérationnels. Sur le SCAF et donc le NGNF, qui est aussi l'avion de combat et tout son environnement, parce que dans l'avion de combat, il y a évidemment le développement d'un moteur, il y a le développement de capteurs, d'un système, il y a le dimensionnement global d'un système de systèmes pour arriver à préparer ce grand futur. Je pense qu'on rentre dans une phase critique au bon sens du terme, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé Dirk, que les progrès qui ont été faits en finalement assez peu de temps, et donc cette volonté politique exprimée par les deux chefs de l'État ont été relayés par les ministères de la Défense et par les industriels, et je pense qu'effectivement, comme Dirk le dit, Dirk et moi, on y a beaucoup contribué. On rentre dans une phase critique, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on a lancé les études. Alors les études technico-opérationnelles avec les états-majors et les industriels pour regarder un petit peu tous les projets et les dimensionnements de ce que pourrait être un vrai programme. Je rappelle que ce programme, l'ambition, c'est d'essayer d'avoir un premier système opérationnel autour de 2040. Donc c'est à la fois lointain et très très court en termes de développement de ce type de grand système. On a besoin aussi de progrès technologiques, de progrès techniques, et ceci dit, on a donc démarré des études aussi pour des démonstrateurs qui vont couvrir l'avion en lui-même, mais aussi
des petits drones qui peuvent accompagner l'avion, petits ou plus moyens, hein, des capteurs, des moteurs, etc., etc. Ceci se passe bien. On est en ce moment en train de coopérer, malgré le Covid, hein, je dois dire que c'est remarquable parce que les frontières étant fermé, mais presque fermé. On a extrêmement de mal à installer des plateaux, non seulement quand on y met que des Français, mais quand on doit faire des plateaux où on doit mettre des Français, des Allemands et des Espagnols, puisque n'oublions pas que l'Espagne a rejoint, c'est compliqué dans ce contexte Covid. Malgré tout, grâce aux visios, grâce à la connaissance des gens, ça s'est poursuivi. Quel est le challenge maintenant ? Le challenge, c'est de passer d'études papier à un lancement effectif de quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, c'est-à-dire des démonstrateurs qui, pour les avions, doivent voler, que ce soit des avions, l'avion en tant que tel, ou démonstrateur, ou ce qui l'accompagnera en termes de moteur, en termes de capteurs, etc. Bref, il faut maintenant passer à la réalisation pour faire progresser la technologie, pour qu'on puisse se rejoindre entre le résultat des études opérationnelles, c'est-à-dire le besoin des états-majors projetés à 2040, ce qui n'est pas évident, et la capacité à maîtriser les technologies pour répondre à ces attentes, et donc le lancement d'un programme, réellement, pour les années à venir. Donc on n'est pas en avance. Et donc, pour ne pas être en avance, il faut décider maintenant. Pour décider maintenant, et c'est ce qui est prévu, ça veut dire être capable de lancer maintenant la suite au début de l'année prochaine. Car, bien sûr, le calendrier des industriels, et nous sommes toujours impatients, dire qu'il y a moi d'aller toujours de l'avant, et c'est normal en tant qu'industriel, mais vous avez aussi les calendriers politiques. Alors, les calendriers politiques, c'est les calendriers budgétaires, c'est en France la loi de programmation militaire, c'est un certain nombre de milestone au niveau du Parlement allemand, bref, mais on a aussi des élections. On a donc des élections en Allemagne en 2021 et on aura des élections en France en 2022. Donc on se doit, nous, d'être capables de proposer et d'obtenir des lancements de ces démonstrateurs de la poursuite de ces études technico-opérationnelles pour être sûr qu'on sera au rendez-vous du lancement du programme pour avoir une chance de tenir 2040. Et ça, c'est extrêmement challenging, et c'est là que on est en train de travailler en ce moment. Il nous reste peu de temps avant le début de l'année prochaine, et c'est là que le challenge va peser sur les États et sur les industriels. Donc, c'est une phase à nouveau intéressante pour vraiment ancrer cette coopération voulue et abondée par les industriels pour qu'elle prenne un chemin irréversible. Merci. Dirk, est-ce que vous voulez réagir sur le calendrier notamment ? Oui, comme Eric a dit, c'est surtout le défi qu'on a avec le timeline, parce que avec les élections allemandes qui sont prévues fin 2021, on a une période où on ne peut plus avancer des projets. Ça veut dire qu'il faut passer le Parlement allemand pour avoir la proposition du projet normalement jusqu'à fin mars. Et pour faire passer fin mars, il faut terminer les négociations fin janvier. Ça veut dire qu'on a eu seulement quelques mois pour terminer une offre en 7 piliers avec une collaboration trinationale avec les 3 supply chains nationales dans quelques mois. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais fait. Et pour ça, il faut dire que la collaboration est très incroyable jusqu'à maintenant. Mais on a encore le défi maintenant pour terminer toutes les offres, négocier, trouver le bon prix qui entre dans le budget des 3 nations et qui nous permet de réaliser la vision comme Eric a décrit, terminer les démonstrateurs jusqu'à 2026 pour avoir une chance d'avoir un produit série 2040. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant aborder le volet de l'industrie spatiale européenne ? Le secteur des lanceurs se trouve dans une situation particulière, délicate. Ariane 6, le développement d'Ariane 6 a pris du retard. Il ne reste que quelques Ariane 5 à lancer. Et à l'autre extrémité de l'offre de services d'Ariane Espace se trouve le petit lanceur Vega qui vient de subir un nouvel échec récemment. Vega, c'est le lanceur sur lequel se fonde Vega C, son successeur.
Or, justement, Vega C et Ariane 6 sont vus comme deux piliers de souveraineté d'accès à l'espace pour l'Europe. Dans cette situation, est-ce qu'on ne risque pas de devoir avoir recours davantage au lanceur russe Soyouz, qui fait aussi partie de l'offre d'Ariane Espace, mais ce serait alors à l'opposé du but recherché de souveraineté. Donc, comment les lanceurs européens peuvent-ils se sortir de ce mauvais pas? Alors, je rappelle qu'Airbus est un des deux actionnaires fondateurs d'Ariane Group. Dire quoi que, voulez-vous commencer? Ça, c'est quelque chose qui... C'est une discussion qui est assez compliquée, surtout en Allemagne, c'est différent qu'en France. Bon, on a besoin de la souveraineté pour avoir accès à l'espace. Et je crois, même si pas tout le monde en Allemagne voit ça aujourd'hui, je suis sûr qu'avec la pression et l'accélération qu'on voit pour l'exploration, tout le monde va le comprendre. Bien sûr, ça nous fait mal. Avec Covid-19, on a vu plusieurs effets. Parce qu'il y avait aussi le confinement à Kourou. Et avec ça, on a maintenant, malheureusement, un effet qui est assez lourd parce qu'il y a une séquence de lancement qui maintenant qui est posée à droite. Et ça pose vraiment des problèmes parce que nous, on a pas mal des satellites qui sont prêts pour lancer. Et ça, c'est dur pour nous comme fournisseurs, mais aussi dur pour les opérateurs qui ont besoin de ces satellites pour continuer leur business. Pour le futur, comme vous avez déjà dit, on a maintenant un delay pour le lancement Ariane 6. Et ça, c'est dur parce que ça coûte cher d'avoir maintenant l'impact total qu'on voit. Et est-ce qu'il y a une alternative? Non. Parce que Ariane 6 était quand même un effort européen et c'était décidé en 2014 pour réduire les prix drastiquement, pour accélérer un nouveau développement d'un lanceur nouveau. Et il faut quand même dire que Ariane Group a fait un travail exceptionnel pour arriver à développer un lanceur nouveau dans cette court terme et en plus avec les prix qui étaient définis par les nations. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très exceptionnel. Est-ce que ça suffit pour le futur? Non, parce que la compétition a changé dans cette période. Et pour ça, il y a déjà un lancement des actions en plus avec Ariane Group et avec les deux gouvernements surtout, où on discute comment on peut améliorer la situation et la compétitivité et aussi, bien sûr, la performance des lancements dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a des alternatives à cause des échecs de Vega? Non, parce qu'il faut trouver des solutions. Il faut bien sûr bien analyser les root causes et il faut continuer à accélérer. Bien sûr, en parallèle, on regarde aussi les petits lanceurs, les micro-launchers. Mais c'est plutôt, dans mon avis, c'est plutôt complémentaire aux produits de Vega et aux produits de Ariane 5 et 6. Et comme ça, il faut accélérer le développement, il faut investir dans les innovations, parce que si on un jour décide, à cause des coûts ou à cause des retards qu'on a vu, de sortir de ces programmes, on va souffrir en Europe. On peut pas arriver à un moment où on décide d'avoir pas une solution souveraine en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui coûte cher parce qu'on n'a pas la même quantité des lancements institutionnels que les États-Unis ou la Chine. Et avec ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des cross-financements entre les lancements institutionnels et les lancements commerciaux. Ça, c'est quelque chose qui est dur. Il n'y a pas une solution rapide, mais je crois quand même que si on travaille ensemble avec des investissements dans les innovations, on va quand même garder cette capacité aussi dans les années qui viennent. Éric Trappier, sur les difficultés des lanceurs européens. Je voudrais prendre je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire Dirk, mais juste prendre un petit peu de recul. Il faut regarder que la Chine, en particulier, fait des progrès remarquables. Finalement, plus que dans l'aéronautique, car l'aéronautique, c'est finalement un métier
assez difficile car il faut aussi être capable de produire. Donc c'est de l'intelligence non seulement dans le produit mais aussi dans la manière de fabriquer avec le numérique, etc. Dans l'espace, la Chine, par une volonté gouvernementale telle qu'on peut le connaître dans ce pays-là, fait des progrès absolument remarquables. Ce qui d'ailleurs a nécessité aux Américains de réagir fortement et de eux-mêmes remettre beaucoup d'efforts dans leur domaine spatial. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez, grâce aux géants du numérique, une nouvelle génération, entre guillemets, d'industriels. Ça ne veut pas dire que l'ancienne génération a disparu. Vous verrez toujours dans les grands programmes spatiaux Boeing, Lockheed Martin et d'autres. Mais vous avez cet argent absolument terrible que ont pu se constituer les gens de SpaceX et de Amazon, dont on parle beaucoup par ailleurs en ce moment. Et avec ces investissements, ils sont capables d'injecter dans le système de l'innovation, sachant quand même que ne nous trompons pas. Cette innovation est abondée très fortement, et je dis bien très fortement, par la NASA, par le DOD, par la DARPA. Donc ce sont des sommes absolument colossales qui sont injectées dans le domaine spatial avec une réussite qu'on voit bien. Rappelons-nous que l'échec de la navette spatiale américaine fait qu'aujourd'hui on a peut-être SpaceX parce qu'il fallait qu'il rattrape un échec. Donc il faut toujours cette idée de rebond chez nos amis américains. On voit aussi que dans beaucoup de ces sociétés-là, ces sociétés sont investies dans le domaine civil, dans le domaine de la défense et dans le domaine du spatial. Donc tout ça a un lien en termes de technologie. Pourquoi l'Europe ne pourrait pas se mobiliser? Car l'Europe a un marché, hein. Il faut pas croire, même dans les lancements institutionnels, et si on prend l'ensemble des pays européens, on a beaucoup de lancements institutionnels. Alors peut-être que beaucoup de pays se tournent plutôt vers SpaceX que vers Ariane, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Dans le domaine des satellites, c'est pareil, on a dans les nouveaux rois du numérique des besoins tels qu'ils lancent des constellations entières. Nous, on est très fort pour faire des satellites absolument de très haute technologie, principalement pour la défense. On est aussi investi, les deux sociétés principales que sont Airbus et Thales, et bien sûr un peu OHB en Allemagne, sont aussi très investis à développer des nouveaux satellites, des nouvelles constellations. Mais on sent bien que l'effort européen n'est pas encore, et malgré la ministérielle de l'ESA de l'année dernière qui a plutôt fait évoluer les budgets à la hausse, et l'Allemagne par exemple a augmenté en relatif et en valeur absolue son budget fortement, on n'est pas encore au niveau qui nous permettrait de défier totalement les États-Unis. Donc on est pris dans la problématique de faire fonctionner à court terme, bien sûr, Ariane 6, et si on n'a pas Ariane 6, c'est la catastrophe absolue. Donc il faut miser, investir et soutenir Ariane 6, mais aussi être capable d'investir demain, après-demain, dans les futures générations, et je l'espère, ces futures générations de lanceurs en Europe, on devra trouver des accords aussi entre les différents pays de l'Europe avec l'ESA pour être capable de lancer ces programmes vraiment au niveau européen. Je pense que là, les pays seuls n'ont absolument pas la capacité de pouvoir mobiliser les énergies pour faire face aux États-Unis. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura pas simplement que les lanceurs, il n'y aura pas simplement que les satellites, mais il y aura aussi un certain nombre de challenge pour, je dirais, s'installer dans l'espace. Alors, s'installer dans l'espace, c'est évidemment faire la Terre-Mars, c'est ce que dit Elon Musk, mais il faut se méfier, il arrive à faire beaucoup de ces challenges. C'est sûrement la Lune. Il vous reste 30 secondes. Mais c'est surtout rentrer dans l'espace, c'est-à-dire rentrer dans l'espace, être capable de se mouvoir dans l'espace, de mettre des satellites, d'aller les chercher, d'aller les réparer, de nettoyer l'espace qui est devenu une poubelle. Bref, l'espace est fondamental, mais il faut que l'Europe mette encore plus d'efforts et investisse avec l'ensemble des pays dans ces domaines-là pour être capable de maintenir sa souveraineté dans le domaine. Merci infiniment, merci à tous les deux. C'est la fin de cette table ronde entre Éric Trappier et Dirk Hocque. Merci de l'avoir suivi. Merci Éric.